Depuis le tremblement de terre, Médecins sans frontières est présente à Port-au-Prince, dans plus de 10 structures médicales différentes. Certaines sont spécialisées dans les soins post-opératoires, à savoir la réhabilitation, la physiothérapie et la santé mentale. C'est le cas de deux d'entre elles, celle de Mickey et celle de Lycée. Elle m'a viré tout parfois, elle est contre mal, mais elle m'a dit que ça va. C'est cassé ici ou ici? This fracture is very bad, hein, ici. Donc, par exemple, le tramadol s'était donné à 18 heures. Non. Elle va au bloc aujourd'hui, en tout cas. Ouais, c'est la première. Okay. Tu as vu quelque chose? Elle est à jeun, là. La santé mentale, c'est une dimension qu'aujourd'hui, je pense, toutes les ONG prennent en considération. Il y a en fait deux dimensions de notre intervention. Une dimension d'accueil pour les personnes qui sont en internat, être au chevet du malade en fait. Et il y a une approche plus individuelle pour évaluer, préévaluer l'état général de la santé mentale de toutes les personnes qui viennent en consultation. Bon, ici on est au OPD, Outpatient Department. Ici, c'est les gens viennent en ambulatoire pour recevoir des soins, faire des consultations médicales. Comparer le inpatient department à Mickey, à côté, à Mickey, ils font du post-opératoire. Donc, les patients qui ont été opérés vont aller recevoir des soins après l'opération. Ici, c'est vraiment, ils viennent, ils ont des soins et retournent à la maison. On a plusieurs cas ici, mais la majorité des cas sont reliés quand même au tremblement de terre parce que les plaies sont reliées au tremblement de terre. On a beaucoup de psychosocial. Beaucoup de douleurs abdominales, de céphalées, d'insomnie. Les gens, à cause du stress causé par le tremblement, ont des réactions physiologiques dues au stress. On a 53 patients ici à l'Élysée. C'est un hôpital de Poscaire. Ce sont des gens opérés ailleurs, dans l'hôpital général, à l'hôpital aussi de Français. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'une deuxième intervention, soit pour suivre son traitement chirurgical. Donc, par exemple, la dame, que c'est la première qu'on va faire au bloc de 7 personnes qu'on va faire aujourd'hui. Elle a reçu une greffe de peau il y a 8 jours. Donc il faut le faire les pansements, mais c'est très douloureux. Même pour éviter que ça le fait mal, on va le faire sous l'anesthésie. Après, on a des personnes qui ont malheureusement eu une infection, soit dans son moignon de la jambe amputée. Il faut le nettoyer, il faut le redébrider. Il faut le faire peut-être réamputation parfois. Donc c'est ça que nous on va faire aujourd'hui. Donc, je prends la dame le 32. Ouais, mais Currently, a lot of the patients that we have in our outpatient department or patients that are coming back into surgery are a result of the inability to maintain top operating theater standards. Surgery is specialized. It's not a hospital where you're just dealing with wound care. There's many times where you're actually opening a person up. The chances for infection are much greater, and you can actually bring an infection to a person that didn't have it. For an OT to work properly anywhere, whether it's in the field, in the second phase, which we're dealing with post-operative care, it's no longer an urgent emergency. And what we try to do here is remain completely sterile with a top level of professionalism.
La kinésithérapie ici, ça consiste à la reprise de l'appui hein, petit à petit après la fracture et pour récupérer donc à la fois l'amplitude articulaire et la musculature. Donc tous les jours, le physio mobilise et fait faire des exercices aux patients. Avec son fixateur externe, il a beaucoup moins de possibilités de bouger l'articulation, donc ça cause des inflammations, des œdèmes. Donc ces mobilisations passives et actives qu'on lui fait lui permettent de garder une bonne mobilité au niveau de l'articulation.